Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que enfin la météo s'arrange par chez vous. Ici, dans le sud de la France, sous climat doux, hein. Depuis quelques jours, je commence à installer les premières cultures estivales parce que ici, ça y est, on n'a plus de risque de gel. Hein. J'ai regardé la météo, on est tranquille. Et je commence donc petit à petit à planter les premières tomates, aubergines, poivrons. Et je commence donc à semer les premiers haricots. Et c'est ce qu'on va voir plus en détail dans cette vidéo. Alors ce premier semis de haricots de la saison, je dis premier parce que je vais en faire 3-4, hein. Un en avril, un en mai, un en juin, un aussi en juillet je pense. Donc ce tout premier semis, je vous donne le contexte, je vais me mettre alors sur une parcelle très ensoleillée, hein. On est encore tôt en saison, il faut un sol au maximum réchauffé, donc je me mets au plein soleil et je vais me mettre après une culture de poireaux. On est en train de récolter là les tout derniers, des poireaux que j'avais semés il y a un an, hein. C'est pour vous dire comme cette culture est longue avec des poireaux qui traversent l'automne, qui traversent l'hiver. Donc je me retrouve avec un beau morceau de parcelle, il va quand même maintenant falloir que je travaille le sol, et avant ça, pour vérifier que je suis dans la bonne saisonnalité, et eh bien moi je me sers d'un thermomètre de cuisine, parce que ce qui est important pour semer les haricots, c'est d'avoir un sol qui est suffisamment réchauffé, hein. Et là il faut pas une température comme pour les petits pois, les mange-tout, les salades, hein, où 7, 8, 10 degrés ça suffit. Là il vaut mieux avoir 13, 14, 15 degrés pour les haricots, et c'est la température de sol que j'ai moi en ce moment, hein, sous climat doux, il a fait bien doux justement, donc j'ai un sol qui est bien réchauffé. Donc on est parti pour préparer cette parcelle. Alors moi comme souvent, hein, je travaille ça délicatement avec ma grelinette, ça me sert en même temps à désherber, à soulever les mottes, à décompacter, à enlever les plus grosses grossièretés, hein. Quand je fais du semis, moi je veux un sol quand même qui soit bien meuble, bien affiné, bien préparé pour semer au mieux ces graines de haricots. Et puis en passant la grelinette, j'en profite aussi pour vous parler de fertilité de sol. Vous savez qu'il faut constamment nourrir nos cultures, soit à base de compost, de paillage diversifié. On peut aussi utiliser des engrais organiques. Et moi ici, dans ce contexte, je fais suite à une culture qui était très gourmande comme les poireaux. Et comme la parcelle était en culture, cet automne, je n'ai pas pu y ajouter du fumier frais, je n'ai pas pu y ajouter de compost non plus, puis j'avais pas aussi simplement assez de quantité. Donc là, je me retrouve avec le fait de devoir réenrichir ma parcelle avant de semer les haricots. Donc là, dans cette situation, j'utilise tout simplement des engrais organiques. Moi ici, j'en ai un favori, c'est un engrais en granulé bio, organique, qui est à base de compost de fumier, à base de poudre d'os, et il va avoir une action à la fois assez rapide, hein, sous quelques jours, quelques semaines, et puis surtout de longue durée. Il va constamment nourrir les cultures sur les mois à venir. Il va falloir pour ça un bon sol, hein, parce que c'est un engrais organique qui contient du carbone. Il faut que l'activité micro-macrobiologique grignote les granulés, hein, pour libérer petit à petit des minéraux. Donc niveau dose, comme je sais que les haricots c'est pas non plus la culture la plus gourmande, comme je sais que j'ai quand même des reliquats de compost, hein, j'en avais apporté la saison dernière, donc je mets juste même pas une demi-poignée par mètre carré, hein, quelques granulés, et je suis sûr que j'aurai assez de richesse nutritive dans le sol pour avoir des belles récoltes de haricots d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois. Donc une fois que le sol est bien préparé, à la fois bien décompacté, bien désherbé, bien fertilisé, bien riche, bien humide, on va pouvoir s'attaquer au semis. Et là, vous devez le savoir, on a le choix entre deux techniques. Soit on va semer en ligne nos graines de haricots, soit on va les semer en poquet. On va regrouper 5-6 graines tous les 30-35 cm. Ça, c'est parfois utile, notamment quand on sème au pied de goutteurs. On a des goutteurs pour irriguer tous les 30-35 cm et c'est bien de semer en poquet. Bon, moi ici, j'arroserai tout simplement à l'arroseur. Et je préfère semer en ligne, donc j'ouvre un sillon avec mon nouvel outil que j'ai cette saison, j'appelle ça un sillonneur, ouais, je crois que c'est le nom qu'on lui donne. Ça me permet donc d'ouvrir tranquillement une belle ligne, et puis je vais déposer donc tout tranquillement mes graines de haricots. Je vais tester la variété Majestic, ça promet, on verra ça en image dans les semaines, dans les mois à venir. Donc je dépose une graine tous les 4-5 cm environ. Thank you.
Alors ici, je fais juste un sillon parce que j'ai les carottes à côté, je veux pas trop que ça fasse concurrence. Donc une fois semé ce sillon, on referme tout simplement de 2-3 cm de terre. On peut tasser légèrement ou arroser pour tasser, bien mettre en contact la terre avec les graines. Après, se pose souvent la question de savoir est-ce qu'on laisse la terre à nu, est-ce qu'on repaille. Ici, les graines de haricots sont assez costauds, les plants qui vont germer seront assez costauds. Alors on peut, si vous le souhaitez vraiment, si vous détestez voir votre sol à nu, vous pouvez mettre 1 ou 2 cm de petits broyats, de tontes, de foin bien broyés. Bon, moi ici, je préfère vraiment laisser le sol à nu. Je vais bien veiller à ce que ça reste humide. J'aime pas trop pailler des jeunes semis. J'ai toujours peur que ça fasse un peu trop de concurrence aux jeunes plants. Donc, je préfère les laisser à nu. Et puis après, rapidement, je viendrai buter les plants, c'est-à-dire ramener de la terre pour les solidifier à leur base. Ramener aussi du paillage pour bien protéger le sol. Donc voilà pour ce semis de haricots en pleine terre. Vous dire aussi que vous pouvez faire votre premier semis de haricots de la saison en godet. Moi d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait ici. Hein, il faisait encore trop froid en extérieur, le sol était trop froid, il y avait des risques de gel. Donc j'ai déjà semé des haricots il y a 3 semaines et je me suis mis dans la serre en godet, sous abri, 4, 5, on peut monter jusqu'à 6 graines par godet. Vous prenez des godets de 7 cm sur 7 cm, hein, ça suffit. Ça va germer assez vite, hein, s'il fait 15, 20 degrés dans la serre, hein, en même pas une semaine, c'est germé, et même pas une semaine après, vous avez déjà des plants bien développés. Donc ici, j'ai fait ça il y a 3 semaines. Vous voyez que maintenant, ils sont prêts à être installés dehors. Je m'installe à la base d'un treillis parce que ça va être des variétés grimpantes. Là aussi, on va découvrir des variétés de dengue, deux belles variétés grimpantes. Donc je les installe sur une toute autre parcelle du potager. Je dépaille parce qu'il y avait pas mal de paillage. On peut sinon faire des trous, hein, aux endroits où on repique les godets. Faites vraiment attention avec les limaces. Moi ici, j'en ai pas trop cette année, vraiment très peu. J'ai de la chance, tant mieux. Est-ce que c'est l'autorégulation ou est-ce que c'est simplement, ben voilà, cette année j'en ai peu. Mais je sais que vous êtes très très nombreux à en avoir de tous les côtés, surtout avec votre météo très humide. Donc vraiment, vraiment faites attention. Des jeunes plants de haricots, vous pouvez vite vous les faire gloutonner par les limaces. Donc veillez, surveillez, sortez parfois le soir, mettez des pièges, des planches en bois, mettez des granulés bio, hein, s'il le faut. Mais attention, vous risquez vraiment de vous faire manger vos jeunes plants. Donc surveillez toute attaque éventuelle de limaces. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. On se retrouve très vite. J'aimerais vous montrer aussi une arche à concombre que je viens de construire, toute modeste. Mais je commence à repiquer mes premiers plants en extérieur et j'espère avoir de beaux résultats. On verra aussi très rapidement le deuxième épisode de la grande expérience sur les tomates. Ça y est, je viens de commencer à mettre les plants en situation. J'ai trop hâte de voir les résultats et qu'est-ce que ça va donner, ces plants dans du terreau premier prix, dans du terreau de qualité, arrosé à l'urine, arrosé avec du purin. Ça va vraiment être sympa de suivre ces différents scénarios, ces différentes hypothèses pour faire grandir des plants de tomates. Donc merci beaucoup de passer par ici pour votre attention et puis à très vite donc pour de prochaines vidéos. Ciao !